Hey Globetrotters, how is it going for you guys? As you may have noticed, I recently posted a new video called Don't Go to Zurich. It was directed and edited by another filmmaker. This is what I call a takeover. But before I introduce the director of this last episode, I would just like to give you more details about this takeover concept I just mentioned. As some of you may already know, posting content regularly has become really essential to succeed on YouTube or any platform actually. So since the beginning of September, we've been trying to post a new video every Thursday to try and really develop this channel. And as you can imagine, making a Don't Go To video takes a lot of time. Approximately a month if you only consider the shooting and post-production, but you can obviously add a few more days for finding sponsors, planning the trip, etc. The other reason is I want to bring in new ideas and different visions to the series. I would like this channel to become a space for other talented creators to share their stories. A takeover is basically a project in which another creator takes over the Don't Go To series. He or she not only shoots, directs, and edits a Don't Go To episode, but also takes over the Instagram account. In these projects, I therefore only am the producer and most of the time help with the shooting. The first takeover was the one we did in Bahrain with Morgan Jucon, which you can check right there. For these first episodes, I reached out to creators whose work I appreciate, but I might open applications for the upcoming ones. Let me know if you guys could be interested in that. I hope these explanations are clear. Let me know in the comments if you have more questions about the evolution of this channel. And now I'd like to introduce Thomas by having him answer a few questions. He lives quite far from me, so I think I'm gonna send them by text message. Salut Thomas, peux-tu te présenter? Nom, âge, depuis quand fais-tu ce métier, etc. Ok. Eh bien, salut à tous, je m'appelle Thomas Tessier, j'ai 22 ans et ça fait 4 ans que je suis réalisateur, cadreur, monteur à mon compte. Et comme vous l'a dit Benjamin précédemment, je me suis occupé du dernier Don't Go To, qui est le Don't Go To Zurich. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, je vous invite à aller le checker. Je pense que Benjamin pourra vous mettre une petite fiche ici ou là pour que vous puissiez directement en cliquer dessus. Alors. Ah oui, tu as donc été vidéaste professionnel à 18 ans, comment est-ce possible? En soi, rien d'exceptionnel, bien que c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître jeune de se lancer à 18 ans. Après, c'est vrai que c'est de plus en plus courant, mais pour mon cas, vraiment, ça s'est fait étape par étape. Et je vais essayer d'ailleurs de tout vous synthétiser très rapidement, ça va être un peu compliqué. Mais en gros, à mes 14 ans, j'ai attaqué le montage vidéo. Je faisais des vidéos de trottinette freestyle en skatepark pour le fun qu'on mettait sur YouTube avec des potes. Et en fait, c'est de là que j'ai commencé à apprendre les logiciels dont, je me souviens, c'était Sony Vegas Pro à l'époque. Et j'avais regardé un tas de tutoriels. Et en fait, c'est de là qu'est partie ma passion. Et après, une fois que j'ai eu mon bac, à la fin de mon lycée, mais je me suis dit, mais vraiment, c'est... Bah ouais, c'est quelque chose qui me plaît énormément et j'aimerais en faire mon métier. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai eu 18 ans, vu qu'au bouche à oreille, je commençais déjà à avoir des demandes professionnelles, eh bien je me suis mis à mon compte et en parallèle de ça, j'ai fait un BTS audiovisuel en alternance que j'ai réalisé du coup dans une boîte de production. Et ce qui était très très chouette, c'est que j'étais vraiment dans une équipe qui était très humaine, dans laquelle j'ai pu apprendre beaucoup de choses, ça m'a beaucoup apporté d'être sur le terrain, d'apprendre comment ça marche avec les clients, d'apprendre simplement comment ça marche aussi dans une équipe. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de me lancer doucement mais sûrement. Et là, ça fait du coup 2 ans que j'ai mon BTS et ça fait 2 ans du coup que je suis à plein temps dans cette activité. Vraiment, c'est un truc qui me plaît à fond. As-tu des conseils à donner à des adolescents qui voudraient devenir vidéaste freelance? Alors oui, bien sûr, j'en aurais tout un tas. Ce qui est vrai, c'est que là, la vidéo, elle doit pas être trop longue et le sujet est hyper intéressant et il pourrait être hyper vaste. Donc je vais essayer de vous en donner 3 avec mon expérience personnelle du coup. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions à propos de ce que je vais dire ou même à propos de votre parcours, n'hésitez pas à nous les poser en bas en commentaire. Vraiment, je regarderai attentivement et si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Du coup, le conseil numéro 1 que je vous conseille vivement, mais qui n'est bien sûr pas obligatoire pour être freelance, c'est de passer par des études d'audiovisuel et de les faire en alternance. Comme je vous disais, je me calque un peu avec ce que j'ai vécu parce que je sais que l'alternance, c'est vraiment un grand bénéfice et une grosse plus-value qui vous permettra d'avoir une expérience sur le terrain, d'avoir un contact avec les clients et du coup de repartir avec un bagage qui fera que vous serez plus serein quand vous vous lancerez en auto-entreprise. Donc voilà. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est de vous former en permanence. Sur internet, il y a un tas de contenu qui est disponible sur la prise de vue,
sur le montage, sur même le côté marketing. Il faut vraiment aller de l'avant et essayer de constamment se former. Et en fait, avec le temps et avec la patience, ça aussi c'est un des conseils, la patience, eh bien ça vous permettra de construire un bagage qui est solide. Et du coup, quand vous arriverez et que vous voudrez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, vous aurez déjà un tas de, j'allais dire, de skills, de compétences. Et ces compétences, elles vous serviront. Et franchement, voilà, n'hésitez pas, formez-vous, passez du temps et le travail finira par payer. Le troisième conseil, ça serait d'aller au contact des gens, qui plus est, aller dans des milieux en fait que vous connaissez déjà plus ou moins. Je prends l'exemple, si vous êtes musicien, imaginons que vous faites de la guitare, aller filmer des concerts, aller peut-être faire un clip de promotion pour une école de musique, aller dans des associations qui font de la musique. En fait, vous serez dans un environnement que vous connaîtrez et du coup, vous aurez plus facilement l'œil pour voir ce que vous pouvez mettre en avant au mieux. Et en fait, vous serez plus performant en fait dans ce que vous allez créer. Et en plus de ça, du coup, en plus d'être meilleur dans ce que vous allez faire, ça vous permettra simplement de vous faire des contacts. Et c'est avec ces contacts que vous allez vraiment créer un réseau au fil du temps. Et c'est avec ce réseau que vous aurez vos premiers contrats professionnels. En tout cas, ça s'est passé en partie pour moi comme ça. Donc c'est pour ça que je me permets de vous donner ce conseil-là. Et je pense que ça peut être applicable vraiment à chaque personne qui compte se lancer et se mettre à son compte dans la vidéo. Alors, quand es-tu parti à Zurich et pour combien de temps? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-bas? Alors, pour reprendre le projet plus globalement, on est parti 10 jours en Suisse pour la compagnie TGV Lyria et pour les offices de tourisme de Genève et de Zurich. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y aura un Don't Go to Geneva qui sera sûrement monté par Benjamin. Du coup, on a fait 5 jours, donc 5 jours à Genève et 5 jours à Zurich. Pour reprendre ce qui m'a le plus plu à Zurich, c'est le cadre de vie. Comment vous dire? Quand on arrive à Zurich, qui est quand même une ville assez conséquente, je crois que ça a à peu près 400 000 habitants, il n'y a pas du tout cette atmosphère oppressante qu'on peut ressentir dans certaines villes où, vous savez, ça grouille de partout, etc. Et ça mène un peu à un certain stress. Et là-bas, j'ai pas du tout ressenti ça. Pour vous citer un peu des exemples assez chouettes que j'ai pu voir là-bas, c'est que par exemple, il y a plusieurs cours d'eau qui traversent la ville. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cours d'eau, ils ont aménagé des piscines naturelles. Donc les Zurichois, par exemple, entre midi et deux, quand ils sortent du travail, ils font un petit pique-nique au bord de l'eau et il y en a qui vont plonger, qui vont se baigner tranquillement et puis après ils retournent au travail. Et typiquement je trouve ça génial parce que je pense que c'est une des choses qui fait qu'on se sent bien là-bas et que du coup quand on va dans ce genre de ville, on trouve l'atmosphère super paisible parce que les gens sont détendus en fait. Un des trucs aussi qui m'a vachement plu, c'est que moi je suis un amoureux de la nature et donc Zurich c'est une grande ville, mais ce qu'il faut savoir c'est que le cadre naturel qu'il y a autour de la ville et juste magnifique. Forcément on est en Suisse donc les paysages sont assez ouf. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à Zurich il y a un grand lac et au fond de ce lac on voit la chaîne des Alpes. Ça donne vraiment un charme à la ville qui est assez unique. Donc voilà, c'est quelques petits exemples parmi tant d'autres que je pourrais vous citer qui font que j'étais surpris par la visite de cette ville et par son cadre de vie. Quel matos a-t-on embarqué dans notre sac à dos et pourquoi? Alors, on avait deux boîtiers, donc deux Sony A7 III. C'est d'ailleurs des boîtiers que je recommande les yeux fermés parce qu'ils ont vraiment une très bonne plage dynamique, ont une très bonne sensibilité ISO, qui sont polyvalents autant en vidéo qu'en photo. Et en plus de ça, ils ont une très bonne 1080 100 images secondes, il n'y a pas de crop dans l'image. Donc c'est très chouette. En termes d'objectifs, ce que j'utilisais avec, c'était le 24-70. Donc on avait un boîtier avec le 24-70 qui était constamment monté dessus. Donc c'est le G Master de chez Sony qui ouvre à f2.8. Et j'avais pris avec moi un objectif, mon objectif favori, qui est le Laowa ultra grand angle. Donc c'est un 9 mm f2.8 qui permet d'avoir des perspectives qui sont super intéressantes puisqu'il a zéro distorsion. Et donc j'aime vraiment filmer avec par exemple du sport. Je trouve que ça met vraiment en valeur l'action de filmer par exemple du skate en contre-plongée ou de filmer des bâtiments. Je trouve que ça donne des perspectives qui mettent vraiment en avant l'environnement dans lequel on se trouve. Après on avait avec nous aussi un stabilisateur électronique qui était le Zhiyun Crane 2S. À l'époque il n'avait pas encore sorti, mais il me l'avait envoyé pour que je puisse le tester. Et ça m'a permis en fait de tester les différentes fonctionnalités, notamment le mode POV que j'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup ce mode parce que avec le grand angle justement, ça donne un côté un peu FPV à la vidéo et je trouve ça assez marrant. Et un autre accessoire qu'on avait qui est très intéressant, c'est qu'on avait un micro Sony que je connaissais absolument pas du tout parce que personnellement j'utilise des Rode. Et là Benjamin avait un Sony qui en fait se plug directement sur la griffe de l'appareil, en fait qui est auto-alimenté via la griffe par l'appareil. Et ça c'est vachement intéressant parce que quand on allume l'appareil, le micro s'allume directement et en plus de ça, il n'y a pas à se soucier de savoir s'il y a des piles ou pas puisque il est auto-alimenté par l'appareil et ça c'est très chouette. Alors prochaine question du coup, avec quel logiciel as-tu monté cette vidéo et pourquoi?
Du coup, pour cette vidéo, j'ai utilisé le logiciel Final Cut Pro 10, et c'est d'ailleurs en fait le logiciel que j'utilise tous les jours depuis déjà quelques années. Et si je travaille avec, c'est simplement parce qu'il est très très fluide et très optimisé, et ça me permet de travailler sur des projets avec des timelines très conséquentes, comme celle du Don't Go to Zurich qui est en train de s'afficher à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai pas de prise de tête avec les bugs, et ça c'est super important, surtout quand on vient des fois passer 6, 7 heures, 8 heures de temps d'écran par jour pour faire du montage. Et bien quand il n'y a pas de bug, en fait ça prend pas la tête et ça casse pas l'élan de motivation. Donc voilà, c'est super important, c'est pour ça que moi vraiment j'aime travailler avec ce logiciel. Alors, combien de temps a nécessité la post-production? Là ça va être dur de vous dire, j'ai passé énormément de temps mais j'avais pas le chronomètre à la main et je sais que j'ai passé des dizaines d'heures. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est le sound design. Il faut aller chercher les sons sur YouTube, sur les différentes banques de sound design, les télécharger, après essayer de les mixer pour que le son ça ressorte bien sur un téléphone mais aussi sur des enceinte de monitoring, parce que des fois il y a un gros décalage vu que les basses on les entend pas du tout sur un téléphone, à moins qu'on ait un casque ou des écouteurs. Bref, ça m'a pris beaucoup de temps, je dirais peut-être grosso modo une centaine d'heures, mais comme je vous le disais, c'est vraiment très compliqué de mesurer le temps que j'ai passé sur l'écran, donc voilà, ça reste quand même un chiffre qui est très approximatif. Quels sont tes prochains projets et où peut-on suivre ça? Alors, mes prochains projets, il y en a déjà un sur lequel je suis en train de travailler à l'heure actuelle, qui est une vidéo que je réalise pour un artiste tatoueur. Sûrement la prochaine vidéo que je ferai après, ça sera un clip promotionnel pour une salle de sport. Et les autres, après, je peux pas trop vous en parler, puisqu'il faut qu'il y ait des choses qui se confirment, et tant que c'est pas fait, je préfère pas trop m'avancer. Mais en tout cas, si vous voulez suivre ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Pour ceux qui veulent voir ce que j'ai fait précédemment, on vous mettra aussi un lien qui vous redirigera vers ma chaîne YouTube. Peux-tu citer les créateurs qui t'inspirent le plus? Ok. Alors... Okay. Bref, je vais en citer trois. Du coup, il y aurait Leonardo d'Alessandri, Vincent Urban et Robin Pogoski. D'ailleurs, j'espère que je ne mâche pas trop son nom, sinon désolé. Du coup, le premier, Leonardo, c'est quelqu'un que je considère vraiment comme un avant-gardiste sur YouTube. En fait, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'il a une maîtrise du rythme qui est parfaite. Dans ses vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de transitions, notamment celle de Watchtower of Turkey. Mais elles sont très, très bien amenées, elles sont super fluides et c'est vachement agréable à regarder. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo. D'ailleurs, je vous la mettrai en lien en dessous. Deuxième, du coup, ça serait Vincent Urban. Et Vincent Urban, du coup, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à Benjamin d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'il y a une dimension qui est très humaine, il y a quelque chose qui est très authentique dans ses vidéos. Il y a aussi une très bonne maîtrise du rythme et ça fait un très bon combo. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et c'est ce vers quoi j'aimerais me rediriger dans mes productions plus tard. Du coup, le troisième, donc Robin Pogoski, je suis tombé sur un clip de musique qu'il avait fait il y a un petit bout de temps de ça. Et vraiment, j'avais adoré parce que, comment dire, il crée une atmosphère dans ses clips qui est vraiment unique. Et clairement, c'est une atmosphère, moi, qui m'avait fait vibrer. Et il y a même plusieurs clips de musique où les atmosphères sont ouf. Donc voilà, pareil, je vous invite à voir son travail parce que moi, c'est vraiment... Enfin, son travail m'inspire énormément. Donc voilà. Bon, bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que les petits conseils que j'aurais pu vous donner dedans vous auront été utiles. Et bien sûr, encore une fois, je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Don't Go to Zurich, n'hésitez pas à aller la regarder. On vous laissera une petite fiche ici ou là. Et sur ce, bah, écoutez, à très vite.